aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment il faut que je m'y prenne pour gagner les jeux. Et c'est là où tout a commencé pour moi, il y a plus de 25 ans. Je ne me posais pas toutes les questions que je me pose aujourd'hui. Et j'étais là-bas pour dévorer les jeux. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que Tony, c'est vraiment un coureur de finale. Athènes reste aussi un excellent souvenir parce que, sportivement parlant, je pense que ça a été l'un des plus beaux combats avec Martikan. Et j'arrive à Pékin avec cette envie, effectivement, de gagner les jeux de Pékin. Et je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Je veux changer de préparation. Je veux me faire plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à 34 ans, je suis meilleur qu'il y a 4 ans. Qui a 8 ans. Bah, ça va être génial, donc je vous invite à me suivre. Ouais, je crois qu'on y est là. Hein. Tout ça, c'est une question d'équilibre. Et ce que j'aimerais qu'ils ressentent, c'est la sentir, cette rivière. Dans quelques semaines, je serai là, entre ces deux plots, au départ. J'ai hâte de me retrouver dans cette position, devant un peu plus de 10 000 personnes. Pour l'instant, l'histoire, elle n'est pas finie, donc elle n'est pas réussie. J'ai décidé de repartir après Pékin, c'était pour continuer l'histoire, pour continuer à avancer, pour continuer à progresser, pour continuer à apprendre, pour aller chercher des ressources que j'avais pas trouvées, quoi. Et donc ça, c'est du plaisir, c'est la notion d'excellence, la notion de performance, c'est toutes ces notions-là qui s'entremêlent et qui font qu'on a envie de revivre ces moments d'émotion, quoi. Un mode de vie, on partait tous les week-ends pratiquement sur toutes les rivières de France, je crois qu'on a fait, puisque leur père était compétiteur et que tout était bon pour faire de l'entraînement, mais il a toujours fait participer ses enfants effectivement et je crois qu'ils l'ont fait avec beaucoup de joie. Oui. En tous les cas, quand ils en parlent, je suis étonnée des souvenirs qui leur en restent. Je ne sais pas si vraiment on l'a protégé, encadré. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait beaucoup d'activités sportives ensemble. On était vraiment un noyau familial très uni, toujours en activité le week-end ou le mercredi après-midi, que ce soit sur des activités de plein air, ski de fond, escalade ou de kayak. Et donc on était tout le temps vraiment ensemble avec ma mère qui faisait les navettes, mon père qui était devant qui faisait la trace et nous qui essayions de suivre et Tony qui commençait avec nous. Je crois que mon père était très attaché à ce qu'on ait une éducation assez polyvalente. Il était lui passionné de sport, il a commencé plutôt par des sports assez classiques comme l'athlétisme et puis un jour il a découvert ses sports nature. Et ça l'a, je crois que ça l'a marqué à jamais. Et il a eu vraiment envie de partager cette passion avec nous et de nous faire gagner du temps en nous mettant au contact de ces sports-là dès le plus jeune âge, quoi. Lui voulait y aller depuis très longtemps. Il était obligé de rester dans la voiture, il regardait les autres. Il y avait très longtemps qu'il voulait participer. Il est allé en eau calme, très, très jeune comme les autres, mais après, oui, très. Je crois qu'il est parti avec ses frères et très vite il a gravi toutes les marches de l'apprentissage très facilement, je crois. On était sur des skis à l'âge de 3 ans, on a été dans un kayak avant 5 ans, j'ai fait du parapente à l'âge de 10 ans. Quand on partait en Espagne là, sur la Pallaresa, au mois de mai, les rivières avec beaucoup d'eau, on partait avec la caravane, avec 12 bateaux. 8 bateaux sur la voiture, 4 dans la caravane, enfin, c'était l'expédition familiale. Après, il y a eu le moment où il a hésité entre le kayak et le canoë. Ça a été un moment un peu plus compliqué.
puisque l'aîné disait « Ah non, il va pas faire du canoë comme Patrice ». Et Patrice disait « Oui, il faut qu'il fasse du canoë ». Je peux faire aussi bien qu'eux. Donc il y avait aussi, je pense, dans cette famille, dans la famille, dans notre famille, il y a un côté où on se soutient, mais il y a un côté où il y a quand même de la concurrence entre nous. Parce qu'il a appris à toujours battre quelqu'un de sa famille, je pense. Et il a appris comme ça, donc du coup, c'est son éducation qui a fait qu'il le réutilise et le réutilise. Donc, quand il avait 12-13 ans, nous on avait 17-18, Patrice était déjà aux portes de l'équipe de France senior, et là, je crois que Tony, sans en parler, s'est dit « Voilà, je vais suivre cette voie, je vais m'y mettre aussi. » Tout le monde sentait, ses entraîneurs, qu'il avait un gros potentiel, mais peut-être que mentalement, il n'était pas aussi fort qu'il est devenu après. La première fois, il est venu parce que je crois qu'une de ses premières questions, c'était « Je crois que je suis un athlète de haut niveau. » Et « Je crois » montre bien le niveau auquel il voulait travailler. On a senti qu'il avait un énorme potentiel et bien après, très vite, 14-15 ans, il était là sur les courses, même s'il s'est planté au championnat du monde junior parce que je pense qu'il n'était pas encore calé. Mais après, très vite, il a été là sur les coupes du monde et puis il s'est affirmé au meilleur niveau. Il a eu beaucoup de mal, on va dire, à se révéler en compétition, à révéler son talent, sa vitesse de navigation en compétition. Mais une fois qu'il a trouvé, ça a percuté direct. J'ai réalisé une première manche un peu en demi-teinte, parce que j'étais classé 5e, je crois, à l'issue de la première manche. Donc ce n'était pas une très bonne performance, mais je savais que je pouvais aller plus vite, je pouvais faire mieux, je savais que la première place était encore accessible. Je me suis jamais dit, si t'es champion ou si t'es pas champion, t'auras raté ton coup. Je sais pas si c'est de l'humilité, je sais pas si c'est de la discrétion, si c'est de la superstition, mais c'est pas ça qui m'a fait avancer. Ce qui m'a fait avancer, c'est le fait de me placer dans des situations où, pour survivre, j'étais obligé d'être à mon meilleur niveau. Gagner un troisième titre olympique, ou se mettre au défi de gagner un troisième titre olympique, c'est un truc de dingue. Donc, il faut s'entraîner à faire des choses dingues et c'est un état d'esprit à promouvoir. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce côté peut-être différent de ce qu'on peut avoir en tête quand on prépare les Jeux Olympiques en disant il faut être rigoureux, il faut être concentré, il ne faut pas faire de conneries, il faut être professionnel. Ça, aucun souci. Tony, il l'a, comme beaucoup d'autres. Et par contre, cette notion d'équilibre entre ce côté rigoureux, professionnalisme et côté un peu passionné, plaisir, défi, c'est cet équilibre que j'ai souhaité instaurer. Ce qui m'a étonné, moi, dans mon parcours, c'est pour quelle raison, de temps en temps, sur quelques moments décisifs dans une carrière, j'ai réussi à franchir un cap. Et j'ai réussi le jour de finale importante, le jour de moments importants comme des sélections olympiques, comme des finales olympiques, comme des finales de championnat du monde, à passer un cap en termes de réalisation, à réussir des figures que je ne réussis pas à l'entraînement, à être dans cette créativité qui pourtant me fait défaut à l'entraînement, à inventer une nouvelle façon de s'y prendre, à me surprendre. Et j'ai toujours été fasciné par ce côté-là, savoir comment je vais réagir dans des moments clés, dans des moments décisifs pour lesquels on ne peut pas se préparer. Parce que c'est impossible de simuler une finale olympique à l'entraînement. Il a lâché humainement quelque chose. C'est au-delà du kayak. Il a arrêté de dire oui, mais il a dit ok, je fais. Et je pense que ça lui a permis de ne plus avoir des freins et de naviguer à fond de son potentiel. Il y a une espèce d'état qui se met en route tout seul, que je ne maîtrise plus. C'est une espèce de lâcher prise qui prend le dessus et qui me pousse à survivre, quoi, dans un contexte de haut niveau où l'objectif du champion, c'est d'être devant les autres, quoi. C'est cette part de... d'ego qui ressurgit à ce moment-là pour faire la différence. Quoi.
Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai l'impression que mon rôle était de réunir les conditions favorables pour que ça puisse s'exprimer, mais de pas forcément le déclencher. Parce que ce sont des états où le conscient et l'inconscient sont entremêlés, qui nous dépassent, quoi. En gros, à ce moment-là, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe. Tout d'un coup, j'étais parti sur un projet très ambitieux et sur lequel je me suis cassé les dents, tout simplement. Donc là aussi, ça a été dur à vivre, mais intense et super intéressant, parce que derrière, ça a été une très bonne leçon d'humilité, une très bonne leçon de vie, parce que je me suis posé plein de questions derrière, et qu'est-ce que je vais devenir, et est-ce que je dois arrêter Je suis reparti, je pense, de pas grand-chose, parce que j'avais perdu complètement confiance en moi. Et il a fallu, pendant cette dernière Olympiade, regravir les échelons et réapprendre à naviguer, à prendre le départ d'une course avec le jeu, l'envie. Et c'est vrai que j'ai l'impression de revivre un peu après Pékin. Jamais vu un athlète arriver à se remettre à ce point en question pour outrepasser ses croyances, outrepasser ses limites. Et quand quelqu'un connaît ses limites et qu'il ne les atteint pas, il a envie d'aller les titiller, quoi. Il a envie d'aller plus haut. En face, sur la rive en face, donc on voyait Patrice, Sylvain, Tony. Donc moi j'essayais de voir un peu ce qu'ils faisaient, les confidences qu'ils avaient. Et c'était intéressant parce que je voyais aussi Martican de l'autre côté, les autres adversaires, comment ils se préparaient. Donc j'étais vraiment dans ce côté-là, à la fois de supporter Tony puis de regarder ce qui se passait autour. Je crois me souvenir qu'il me dit à la première manche, eh ben ça commence bien, hein. C'est pas gagné. J'ai dit, ben non, c'est pas gagné, mais l'objectif, c'est de passer. 90% du boulot, il était fait, donc on s'est dit, allez, on y va. Quand je passe la ligne d'arrivée de la deuxième manche des qualifs, je suis très frustré, je suis très, très déçu, parce que je n'arrive pas à produire la navigation que j'aimerais produire. Et j'aime pas ça, je déteste ça. Et là, je sens que mon projet olympique est en difficulté et que ça peut m'échapper.
Mais au fond de moi, à ce moment-là aussi, je sais que finalement, ce scénario, je ne sais pas s'il me dessert tant que ça. Parce que je vais pouvoir me remobiliser, quoi. On était assez d'accord après les qualifications sur le fait que cette course-là était passée, que techniquement, les problèmes qui ont été posés par ce parcours, ben, ils disparaissaient avec les qualifications. Et la demi-finale et la finale, ça allait être une autre course. Je sais que ça, dans le passé, ça m'a aussi servi et nourri pour me mettre dans un état où je donne le meilleur de moi. Et cet état-là, il faut le trouver le bon jour. Je pense que c'est très difficile d'être à son meilleur niveau plusieurs jours de suite. Il est bon en finale parce que tout le reste aussi est calculé. Même quand on a l'impression que c'est moyen, il le sait que ça va être moyen, il le sent arriver, quoi. Ça ne le surprend pas. Et il sait qu'en finale, il faut qu'il soit le meilleur, donc il n'y a pas le choix. Voilà. Mais c'est tout un processus. J'ai besoin déjà d'évacuer un peu ce qui s'est passé. Donc ça passe par un retour au calme, tranquillement, bagayer, sans forcer pendant 10 minutes, sans regarder forcément où on va, c'est-à-dire on est sur un plan d'eau plate. Et voilà. Si je prends un peu de recul, c'est-à-dire si j'enlève cette porte 13, si j'enlève les 2-3 endroits qui d'ailleurs vont disparaître sur le parcours de finale, j'ai quand même de bonnes sensations. On est dimanche soir, la finale c'est mardi. Voilà. Aujourd'hui, je crois que l'objectif, maintenant, les qualifs sont passés, je suis qualifié en demi-finale, et bien je sors. Je sors de ma tête cette course-là, je pense pas à la finale tout de suite, on aura le temps demain d'y revenir. Ben, ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Je me suis senti plutôt pas mal en première manche, mais après, c'est bon. Donc cette journée du lundi, elle est montée en puissance jusqu'au soir où on a découvert le parcours, je me souviens, assez tard, 8h du soir. Et on a attendu parce que on avait envie de voir à quoi ça allait ressembler pour le lendemain et profiter de ce moment-là. Et je pense que si on avait si envie que ça, c'est qu'on était vraiment dans le match, quoi. Je sens que je suis en train de me rapprocher quand même d'un moment important. J'ai l'impression d'avoir changé un peu de dimension, entre guillemets, et de rentrer vraiment dans ma course. Donc on a couru pour attraper le dernier bus et pour rentrer au village pas trop tard. Donc déjà, mon premier souci, c'est réussir à définir mon projet de navigation, ma trajectoire, et trouver des solutions pour me sentir à l'aise et trouver un projet de trajectoire que je sens pouvoir maîtriser, sur lequel je vais être à l'aise. J'aime pas trop les deux premières portes. Je les trouve aléatoires et j'aime pas lancer une course en me disant je dépends un peu du mouvement d'eau sur lequel je vais tomber. C'est toujours délicat quand c'est comme ça, sur un parcours, parce que ça va être dès le départ une entrée en matière et que c'est un peu qui tout double. Il y a des moments où ça va passer comme une fleur, il y a des moments où déjà d'entrée de jeu, je vais prendre une seconde dans les dents et ça, déjà ça m'énerve. J'aime bien la suite, le premier stop à droite, la porte 3, 4, 5, 6, 7, tout ça je le sens assez bien. C'est plus pour la demi qu'on a l'impression que pour la finale, finalement, parce que c'est là que tout va se jouer. Je me sens effectivement différent. Je sens que y a quelque chose qui se prépare, quoi. Et que c'est plus la même décontraction, c'est plus la même sérénité.
Je suis dans un état un état que j'ai déjà vécu, hein, un état de compétiteur, quoi, qui sent que l'échéance approche. Des textos, je lui ai envoyé des textos comme d'hab. Je sentais, plutôt serein et avec beaucoup d'envie, sans stress particulier. L'idée, c'est pas de prendre beaucoup de risques sur la demi-finale, c'est de naviguer à un bon niveau, mais sans forcément me mettre en danger, quoi. Mais quand même en me demandant, est-ce que ça va suffire? Parce que je sais que, et en 2008, aux Jeux de Pékin, et aux Championnats du Monde, qui ont précédé les Jeux en 2011, en demi-finale, la course s'arrête. Et ça, j'ai pas envie de le revivre. Le plus difficile en termes de scénario de course, c'est d'avoir fait une super course en demi-finale. Parce que c'est forcément, on est tenté de vouloir reproduire. Et avec des mouvements d'eau aléatoires, avec de l'eau vive, on ne peut pas reproduire exactement la même chose. On est obligé de garder de l'adaptation. Et on sait que c'est difficile si la manche est parfaite. J'élude complètement de ma tête. Qu'est-ce que je vais faire comme résultat? Je ne suis pas en train de penser à ça, je suis en train de penser à comment je vais réussir à descendre ce parcours. À partir du moment où il réussit à bien la franchir, je pense que ça va le porter sur le reste de la manche. Ça va l'aider à être sur un bon tempo, à s'engager. Et heureusement, j'arrive à me lancer dedans assez bien. Le début de la manche est plutôt très bon. J'ai vraiment des bonnes sensations, à la fois de maîtrise, de contrôle, de finesse, de glisse. Je sens que ça se passe bien, quoi. Que ça ne peut pas m'arriver grand-chose. Effectivement comment ça se passe et j'arrive à avoir un temps d'avance sur ce qui se passe et de sentir que je suis pas en difficulté, je pense que je commence à gérer un peu sur la deuxième partie du parcours pour assurer ma place en finale. Et ça c'est assez grisant comme sensation, parce qu'il y a des moments où tu mets tout ce que tu as et ça le fait pas, parce que tu es un peu à contre-temps, parce que tu es en difficulté. Et là, sur cette demi-finale, sur un parcours qui est quand même dur, bah, finalement, j'ai pris du plaisir, quoi. Même si ça a été dur avant. C'est vrai que sa réaction, elle est forte. Elle dit, au moins, j'aurais fait mieux qu'à Pékin. Et ça me surprend quand même. Ça me surprend fortement parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, elle n'est pas parfaite. Il y a quand même des choses à améliorer. Il le sait à l'arrivée. Et donc on est plutôt dans un contexte finalement assez favorable pour préparer une finale. Ça me surprend, je lui dis mais t'es con ou quoi, c'est pas possible, pourquoi tu me dis ça, on est à Londres. Donc je lui dis on passe à autre chose et voilà. Puis maintenant, on va s'accrocher. Quand on est finaliste au jeu, l'organisation donne une caisse en plastique où tous les finalistes doivent mettre leur tenue protocolaire en cas de podium. On a rigolé un peu parce que j'ai trouvé que son pantalon était pourri. Il l'avait lavé, il n'était pas blanc. Enfin, j'ai dit, mais tu vas pas mettre ça. J'ai dit, je peux te prêter le mien. Avec Patrice, on regarde la vidéo, on essaie quand même d'identifier des placements assez précis, objectifs. C'est-à-dire qu'en gros, pour réussir cette première figure 1-2, c'est important d'être là, avec tel angle et telle vitesse, d'avoir plutôt un appui à droite à cet instant.
mais sans forcément aller au bout des choses. Laisser toujours un peu de doute et d'incertitude sur cette figure qui est dure et qui restera dure, même si je passe 2 heures à regarder la vidéo. Et en marge de ça, je crois que l'idée, malgré tout, c'est de réussir à souffler, quoi. À rester un peu détendu, à aller manger un petit morceau. C'est encore une fois un mélange, un équilibre à trouver entre j'y pense parce que de toute manière mon cerveau a envie d'y penser, mais rapidement je me raccroche à l'instant présent, à la porte que je vais essayer de passer, je pense à 35 minutes à peu près avant mon départ. Et là tout seul je vais redescendre le parcours à pied et je vais revérifier la hauteur de chaque fiche en essayant de me répéter le projet de navigation. Donc là, il se passe à peu près un quart d'heure où je suis au bord, tranquillement, tout seul. Je redescends mon parcours. Et quand j'arrive en bas, j'ai un petit échange avec Patrice dans un premier temps, avec lequel on revient aussi sur les points déterminants pour réussir la manche. En 2-3 minutes, on a descendu le parcours mentalement avec Tony qui récitait son projet précisément. Sur chaque porte, chaque mouvement d'eau. Là, je suis attentif à ça, à ça, à ça. Ainsi de suite, comme ça, tout le parcours descendu. Et à partir de là, on a dit, c'est bon, le projet, il est là. Et là, il devait rester une vingtaine de minutes avant son départ. Et après, je discute un peu avec Sylvain, juste avant d'embarquer. Et là, on est plus sur le registre du positionnement, de l'engagement, sur le fait qu'il va falloir lâcher, quoi. En fait, l'idée, c'est de sortir du registre trop technique et trop orienté sur, la stratégie de navigation pour se rééquilibrer sur l'ouverture, la disponibilité, l'adaptation. Et faire fonctionner le cerveau à plein régime. Le petit exercice, il est assez simple, c'est-à-dire se reconnecter avec l'environnement en imaginant et en regardant tout ce qui se passe autour. Donc en intégrant les sons du public, les sons de la rivière, les sons des personnes à côté, faire en sorte que ça soit une énorme symphonie, une belle symphonie, et se sentir bien dans ce contexte-là. Que si on a passé 4 ans à se préparer, c'est pour vivre un moment comme ça, quoi. Et que donc, il faut le vivre à fond. Et il arrive à ce moment-là à me sortir un peu du projet, parce que ça fait quand même là une heure ou une heure et demie que je me répète sans arrêt tout ce qu'il va falloir faire. Et ensuite, il se déshabille, il me file ses affaires, il boit un petit coup. Il va pisser dans la cahute en bas du bassin, et puis voilà, c'est son protocole habituel. Ouais. Et puis à un moment donné, il dit bon, allez, j'y vais, c'est parti. Tu es en contrat, tu restes sur cette notion de contrat, la tête froide et point barre. Je regarde le bassin de départ là. Le petit tapis roulant. Et ouais, ben on croise les doigts. Hein. Une fois qu'on a mis le museau du bateau là sur le tapis roulant, ben ça nous amène dans le start et il y a des routines qui reviennent. Donc j'ai besoin de vérifier mon matériel. Voilà, je vérifie que mon gilet est bien attaché, qu'il n'y a rien qui dépasse. Ma sangle de casque, elle est bien mise. Ma jupe, hop, je remets ma jupe. Je regarde ma pagaie. Est-ce que l'autocollant n'est pas en train de se décoller? Déjà, quand j'arrive sur la fin du tapis roulant, je trouve que vraiment c'est impressionnant le bruit de la foule et je me dis waouh, c'est quand même impressionnant d'être là, quoi. Et ça se mérite et c'est quand même sympa de le vivre. Peu importe émotionnellement comment il est capable de le traduire en de la perf. Et ça, je pense que c'est sa grosse qualité qui fait la différence avec les autres athlètes. Au départ, je me demande s'il va regarder, pas regarder.
Je dis on verra bien. Et puis ben, je regarde ses adversaires passer et je vois notamment la grosse performance de Martican. Donc je me dis que ben voilà, ça va être chaud quoi. Et je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait quoi. Et là aussi j'ai un moment où je me dis je lui en veux quoi. Je lui dis mais c'est pas vrai quoi. Il a fait une saison pourrie. Il a galéré pour se qualifier. Il a pas fait un seul bon résultat international. Et il vient me sortir des jeux de l'espace quoi. Il domine les qualifs. Il fait pas une de bonne demi-finale et là il claque une finale de fou quoi. Mais voilà, ça dure, je pense que ça dure 10 secondes, 15 secondes. Je me dis, c'est. Voilà. C'est quand même un sacré, quoi, de me faire ça à moi à ce moment-là, quoi. Voilà. Et après, assez rapidement, je vois Sylvain qui apparaît dans le start, alors que c'était pas du tout prévu, dans l'air de départ, et qui vient me voir et qui me dit, comme ça, avec un grand sourire. Il a l'air heureux, complètement décontracté. Et moi, je me dis, mais waouh, mais où est-ce que je suis quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver et comment je peux faire pour aller chercher ça? Et je fais pas de signe, je suis juste avec le regard, avec la bouche. Ça va le faire. T'es sur la ligne, mon gars, nos soucis. Et quand je vois Sylvain, effectivement, me faire signe, il y a presque un décalage quoi. Je me dis non mais là je suis en décalage quoi. Je me mets une pression énorme alors que voilà, il faut s'amuser quoi. On est là pour ça, on est là pour réussir les jeux, on garde le cap et il n'est pas question aujourd'hui, enfin à ce moment-là, de me dire quel temps je vais faire. Le temps on verra ça à l'arrivée quoi. Ah si, quand j'ai vu Martican, ouais, si. Parce qu'on sait que lui, on sait que c'est une référence, donc quand on le voit passer, on se dit oulala, ça va être dur. Mais derrière, j'arrive à switcher et comme un peu on l'a bossé avec Sylvain, à rester froid, entre guillemets, c'est-à-dire être factuel, être sur des faits, être voilà, sur ce que j'ai à faire, quoi. Et rester dans l'action et pas dans l'émotion. Là, prépare-toi, il te reste une minute, va dans le start et tu as une minute pour faire ta manche. Il n'aime pas qu'au départ, il y a du bruit. Alors, au départ, normalement, j'avais briefé un peu tout le monde, je crois. J'avais dit, pour la finale, il ne faut pas faire de bruit quand il est au départ. Une fois qu'il est parti, c'est bon, on pouvait y aller, mais... Je pars, je me souviens, je pousse un peu sur le start. Mes deux premiers appuis sont assez doux. Voilà, je me dis que ce n'est pas la peine de partir tout de suite. Et j'ai à peu près 10 mètres pour me lancer avant la cellule de départ. Donc voilà, les 2-3 premiers mètres sont plutôt tranquilles. Et puis là, voilà, je décide d'y aller. Au début, je voulais pas parler, je voulais juste le regarder parce que t'as tellement peur qu'il aille toucher une porte ou qu'il fasse une petite erreur parce que ça se joue, il passe à... Quand je l'ai vu partir, j'ai vu qu'il était dans un bon jour. J'étais au premier rang et j'ai tout regardé. Je crois que c'est la première fois. Du premier coup de palier jusqu'au dernier, je l'ai aidé, je crois. Enfin, j'ai pensé que je l'ai aidé. Comme si c'était presque la dernière grande course qu'il faisait. Je crois, je me suis dit, j'ai pas le droit de lever les yeux. On est dans un état second, je crois. On a réussi, je ne sais par quel... Par quel miracle, en tous les cas, je crois qu'on s'est préparé pendant 4 ans pour vivre ce moment-là. Il y a l'inconscient qui prend le dessus et qui nous mène, quoi. Il a un moment, je crois que c'est la porte 7, où il est très très serré, une grosse prise de risque qui n'était pas prévue. Mais voilà, Tony, dans ces moments-là, dans les finales, il ne se pose plus de questions. Quand on voit sa manche, là, il est à bloc, il est vraiment tout prêt à piquer, il faut être comme ça pour gagner. Donc t'as à la fois t'as une appréhension, et puis à partir de la porte 8-10, je crois que je me suis mis à vraiment encourager, crier avec les autres, et c'était génial, c'était génial. J'ai vécu dans le speed, et quand je dis dans le speed, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour,
Donc finalement, j'ai pas bien vu les portes, j'avais pas réussi à bien regarder. Je suis sur le registre. Avance quoi. Vas-y, avance. Bouge-toi, avance. Il y a ce. Ouais, cette volonté, je crois, qui prend le dessus et qui cherche à grappiller du temps, à aller vite. Ça, je me souviens, pendant la manche. C'est qu'il y a quand même 2-3 fois où je me dis, mais purée, mais là, je suis passé beaucoup plus près que ce qui était prévu, quoi. Dès le premier pronom intermédiaire, quand on a vu qu'il avait de l'avance, on y croyait, quoi. On s'est dit, il va être devant Martican. Déjà, c'est bon signe. S'il est devant Martican, c'est bien, il est déjà sur un podium, voilà. Je me souviens très bien du premier stop à la première chute. Ça passe très près, quoi. Ça passe très près à l'entrée avec le bateau. Ça passe très près dans la porte avec le corps. Et ça repasse très près en sortie avec le corps. Et ça, presque, ça me surprend. C'est-à-dire que j'arrive vite, presque un peu trop vite. Et finalement, ça passe, quoi. Et je me suis laissé entraîner dans ce rythme-là de recherche de vitesse, d'engagement, de... je donne tout, quoi. Tout ce que j'ai, je le mets, quoi. Il enchaîne sur un rythme quand même très très soutenu, beaucoup de vitesse. Il est proche des piquets, il vole un peu au-dessus de l'eau. J'entends surtout mes petits copains de l'équipe de France, Mathieu, Gauthier, Étienne et Émilie. Pendant les courses, moi j'ai besoin de bouger, je crois, et de faire du bruit. Comme ça, ça me libère un peu et ça m'évite de trop stresser. Et donc je fais du bruit, je siffle, je saute. Et ça m'accompagne, effectivement. Des fois, ça me dérange presque un peu parce que je me dis, mais j'y pense, quoi. Il y avait vraiment des moments où c'était très fort, quoi. Et ça m'a permis de vivre des choses que j'avais jamais vécues, quoi. Et je pense que cette symbiose un peu avec l'environnement proche, le fait d'avoir réussi finalement à l'accepter, à l'entendre, à le vivre, ça c'était nouveau pour moi. Voilà. J'ai pas le souvenir d'avoir vécu ça dans les autres Olympiades, quoi. Je savais que la dernière figure c'était important qu'il réussisse. Et où je vois qu'il est, dans les clous. Cette porte-là, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que je me pose la question de savoir comment je dois la négocier. Quand même, juste avant, c'est le seul endroit où je prends un peu de recul et je me dis, wow, qu'est-ce que je fais? Non, allez, j'y vais, j'attaque et je laisse faire. C'est sa capacité à réagir vite, à penser vite, à prendre des décisions, à prendre des risques, parce que s'adapter pour lui, en l'occurrence, c'est la prise de risque permanente, quoi. Et effectivement, là aussi, un peu comme sur le stop du haut, j'ai le bateau qui s'embarque dans la fiche, à passer un centimètre. Et je tourne sur place et je repars très court. J'étais hyper fier de lui, parce que ce dernier stop, il passe très près du piquet. Il est sur presque une esquive. Et effectivement, derrière, je m'arrache, quoi. Je m'arrache parce que je me souviens très bien, une fois que cette dernière figure, elle est passée, même s'il reste 2 portes, là, je déconnecte complètement et j'essaie de vraiment générer de la vitesse et de tout mettre, tout ce qui reste, pour aller en bas. Ouais, je regarde le téléchrono du tableau, le tableau d'affichage, et voir s'il y a marqué 1 ou pas, et puis il faut attendre que voir s'il y a des touches. Et finalement, je sais pas si j'étais dans le vrai, quoi, tout simplement, et si j'étais rapide ou pas. J'espère, parce que j'ai l'impression d'être au bout du rouleau, mort, j'ai vraiment tout mis. Et donc là, ce qu'il faut absolument que j'arrive à avoir comme info, c'est est-ce que je suis devant Martican ou pas, quoi. Je cherche le cran, je sais qu'il est sur la gauche, je le vois pas. Et là, pam, je vois Estanguet qui est juste au-dessus de Martican. Et là,
Là, il se passe un moment, alors qu'à l'image, est très, très rapide. Mais moi, j'ai trouvé ça long de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce que je l'ai fait ? Je crois que je l'ai fait. Et là, derrière, j'exulte et j'ai besoin d'évacuer voilà, cette émotion, cette tension, parce que j'étais quand même, je pense, bien sous tension. Mais il y a eu cet instant où je passe la ligne d'arrivée. D'abord, je cherche, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Je vois que je suis devant Martican. Et ça vient pas tout de suite, quoi. Ça vient pas tout de suite parce que je suis rincé et parce que ce que j'ai vécu, c'était bizarre, quoi. C'était fort, c'était prenant, mais c'était étonnant, c'était nouveau, quoi, comme atmosphère. Et du coup, je sais pas comment réagir. Il arrive, alors il est surprenant parce qu'il arrive, il lève les bras comme s'il avait gagné. Et ça me surprend un petit peu, même si je vois le temps, je trouve le temps énorme. Et là, ça reprend dessus et je me laisse aller et je force comme ça, je lève les bras, ce que je crois que j'ai jamais fait à l'arrivée d'une course. Sa réaction à l'arrivée, elle est superbe aussi parce que c'est une rage de réussite. Parce que d'habitude, voilà, c'est pas ce qui me vient. Mais là, j'ai besoin de libérer, d'exulter, de lâcher prise, quoi. Et tout de suite, de regarder aussi, de trouver du regard les autres, quoi. Sylvain, Patrice. De voir voilà, comment eux vivent le truc, est-ce qu'ils sont là, quel est leur retour, quoi. Et après, on dit attention, il y en a deux autres. Hein. Il y en a deux autres, c'est des clients, mais le temps est monstrueux. Et par superstition, tout peut arriver encore. Et voilà, on va attendre et on va pas faire de plan sur la comète. Et voilà, on va profiter. Et voilà, j'espère que ça va aller au bout. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à repenser à ça avec Patrice, parce que Patrice, c'était un énorme projet aussi. Et le projet des deux frangins, arriver à faire ce qu'ils ont fait, c'est fabuleux aussi pour moi. J'ai vu qu'il était content, voilà. J'ai vu qu'il était content, qu'il était devant Martica. C'était quand même le repère. Et après, nous, voilà, je savais qu'il était sur le podium. Et nous, on restait à... attendre les deux autres. Et j'étais super ému, c'était extraordinaire sa course, quoi. Ouais, je les cherche un peu et puis tranquillement je les vois qui sautent de joie, je crois qu'ils s'embrassent même tous les deux, je les vois, voilà, ils sont en train d'être super contents et du coup, voilà, moi j'ai 10 mètres pour les retrouver, ils sont en train de courir vers moi et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire on l'a fait, quoi. Tony nous a dit, vous restez là, on regarde ça ensemble et on profite de ce qui va se passer ensemble. C'est un moment qui est fort parce qu'il reste 5 minutes, je pense, avant d'avoir vraiment le résultat final. Et c'est long, hein, 5 minutes. On est que tous les trois. Et je trouve que c'est des moments précieux parce qu'on a fini notre histoire et on l'a fini tranquillement ensemble. On attend de savoir comment ça va vraiment se finir, mais le plus dur est fait, quoi. Denis Tanguay est champion olympique pour... Mais quand Tassiadis arrive et qu'il est derrière, là c'est parti, quoi. Et là ça nous échappe. C'est historique, la plus petite étoile pour le Palois. Oh là 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 là. Et d'avoir vécu cette attente, finalement, cette délivrance de devenir triple champion olympique avec eux, c'était bien. C'était bien parce que c'est vraiment voilà, la garde rapprochée, le cercle, le noyau dur, quoi. Et ils y sont pour beaucoup quand même dans cette réussite.
internet, hein, je crois pas que je... je sais pas ce qu'on... On a sauté, on a crié, on était contents, quoi, tous ensemble. Quand je vois mes deux frères à l'arrivée, qui sont bras l'un dans l'autre, avec toute la concurrence qu'il y a eu entre eux, etc., je suis hyper content. C'est une grosse satisfaction familiale, personnelle. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Un grand bonheur de les voir tous les trois vraiment réunis autour de cette médaille. Vraiment. On se dit avec Sylvain et Patrice, à plus tard les gars, je crois qu'il va y avoir un peu de monde à voir. Et, enfin, je ne sais plus exactement ce que je sors, mais en gros, on va se revoir une bière ensemble, mais pas tout de suite, quoi. Je les embrasse très fort et merci à toutes les Paloises et les Palois. Il me tarde de rentrer à la maison. Évidemment, envie de remercier tout d'abord mon cercle le plus proche, ma famille, je pense à maman, Patrice, Aldric et Laetitia. C'est une aventure qui est pas évidente et on peut pas la mener tout seul. Oula, ça y est, ça monte. Je pense que tu nous as fait vivre un moment extraordinaire à nous tous tes supporters, à la fédération dans son ensemble et je pense à la France entière. Parce que on n'oublie pas qu'au-delà de ton troisième titre de champion olympique, tu deviens le premier Français triple médaillé olympique. Aujourd'hui c'était un épisode très important et sans vous c'est sûr que je ne l'aurais pas vécu, donc vraiment un grand merci. À la fois, c'est un travail de longue haleine et puis c'est des petits détails qui font que ça passe. Et on a un sentiment partagé d'avoir l'impression d'un rouleau compresseur parce que c'était bien en place et que ça pouvait le faire. Et puis d'un autre côté, que ça ne se joue à pas grand-chose. Il a eu quand même une ou deux portes où il a pris des risques qui n'étaient pas prévus et ça aurait pu sortir. Et puis ça passe. Et voilà, donc, un peu de réussite, c'est bien. Il a toujours été dans l'équilibre, même dans l'extrême. Toujours peut-être des fois un peu limite de tomber, mais jamais tombé. On peut dire que c'est du travail, que c'est plein de choses, mais bon, il y en a plein d'autres qui travaillent, qui se préparent bien aussi. Et Tony, lui, il a cette petite étincelle qui fait qu'il ne lâche pas. Quoi. Il ne lâche pas l'affaire. Même quand il reste 1 minute 30 après 4 ans de travail, il n'y a pas la moindre interrogation sur vers où il faut aller. C'est tout du bonus, quoi. Libéré, quoi. Comme s'il y avait un poids qui nous était... qui était tombé tout d'un coup, ça y est, c'était fait. Mission accomplie. Je crois pas que mon objectif de gamin, c'était de devenir champion olympique ou triple champion olympique. Ça, c'est venu progressivement et c'est venu étape après étape. Et c'est vrai qu'on est aspiré par l'excellence et par la volonté de gagner des compétitions, mais le sens à tout ça, c'est le bonheur, quoi. Le bonheur de vivre une histoire humaine, de vivre une histoire familiale. De terminer cette histoire avec eux, vraiment très proches, et de les voir à Londres pour la première fois réunis à mes côtés, c'était important. Parce que c'était un bon moyen justement tranquillement de vivre cette dernière grande émotion ensemble.
je suis convaincue que c'est en votre nom à tous combien nous sommes fiers qu'un enfant du pays soit devenu ce très grand champion. Combien nous nous reconnaissons dans lui en tant que personne, en tant que sportif, oui, aussi, mais aussi en tant que personne. Et que ce que moi j'apprécie, et vous aussi je crois, c'est le fait que tu sois un très grand champion et qu'en même temps, tu sois resté comme nous. Simple. D'avoir réussi à ce qu'on soit tous les quatre là-bas pour vivre le moment, de se détacher un peu de l'enjeu, mais d'être plus sur le côté, voilà, il y a une belle course qui se présente, c'est une histoire qui est en train de se terminer, on la vit en famille, voilà, Patrice est au bord avec moi, c'est mon entraîneur, Aldric et ma mère sont dans les tribunes, vraiment pas loin à m'encourager, et mon père qui est là-haut et voilà et aujourd'hui voilà on est au bord de l'eau proche de là où tout a commencé et c'est ici que ça se termine et c'est bien voilà je suis en phase avec ce que j'ai fait avec ce que j'avais à faire et je trouve que c'est une belle histoire.